Donc aujourd'hui, je suis très content parce que je vais enfin pouvoir vous présenter la nouvelle chroniqueuse. Ouais, enfin, ça fait quand même une heure qu'on l'attend, donc je sais pas si elle va arriver. Mais attends, pour la 20e fois, je te dis que tu es la nouvelle chroniqueuse. Mais par rapport à toi, c'est qui du coup? Comment ça par rapport à moi? Bah ta cousine. Absolument pas. Mais tu m'avais dit qu'elle avait accepté et qu'elle allait venir. Je te le redis, elle a accepté de venir car c'est toi. Ok, mais moi je suis pas au courant de quand est-ce qu'elle va arriver. Mais je te dis pas si tu es au courant ou pas, puisque je te dis que c'est toi. Écoute, si elle veut pas venir, c'est pas mon problème, mais j'ai quand même juste l'impression qu'elle a un souci avec moi. Mais non, je te dis que tu es la nouvelle chroniqueuse. Ah d'accord, du coup, ok, mais comment tu vas me la présenter? Je vais pas te la... On va attendre encore longtemps comme ça ou... Attends, j'ai une idée. Imagine que tu es la chroniqueuse. Moi? Bonjour. À qui tu parles? Bah à toi. Tu me dis, imagine tu es la nouvelle chroniqueuse. Bah du coup je t'avais ramené ça. D'accord, c'est quoi une bière? Un type de bière. Une bière magique? Oui oui c'est ça. Non, c'était une bière à partager avec la nouvelle chroniqueuse pendant le tournage. Et moi j'avais pensé que... Que j'avais des super pouvoirs et que je pourrais comprendre tout ce que tu dis. Non, que t'avais compris que tu étais la nouvelle chroniqueuse. Écoute, tu commences à me gonfler, je vais aller pisser.